Quand je pense à mon enfance en Côte d'Ivoire, en Abidjan, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. I remember, you know, when it was almost like 5, 6 o'clock. My aunt made food and stuff. The smell of it from outside and me running home, looking up in the skies, you know, watching like airplanes flying by. You can't really describe what you can expect, you know, other than what you have seen on TV and stuff. Imagine you have a book and you never read it. And then imagine all kind of stuff, like, how is it other places, like Europe? It was my father who decided it, that I should go to Denmark. They probably thought I would have a better life there. When I look back, you know, when I compare Abidjan and Copenhagen, it is just so different, you know. I got pulled away from everything I knew, from all the friends and all the people, you know, end up being on the street, actually, literally. Staying at the main station, you know, hookers standing on the corners, you have different drug dealers going from one place to another. It's not a place for kids. My father made it clear that we are not going to live together. When I got to that institution in Sudan, they could see the patterns on my behavior. You know, got much more violent, was reacting extremely on everything, you know, always in contact with the authorities. The fact that I had to leave on my family, you know, my cousins, my brothers and sisters. I felt like, why me? Why can't I just stay with my family? The feeling of being detached from the only thing you know, to another place. I was just going through things without feeling anything.
And then that's how I got into boxing. Even though boxing is a one-man sport, I felt the whole idea of having a team around, and it was, you know, it gave me a lot of confidence. I got really like attached to the boxing gym, and I felt like they were my family, you know. Au moins, un des trucs qui me touche vraiment, c'est un simple truc. Moi, mes voisins, depuis, ça fait pratiquement 4 ans que j'habite dans mon appart. Moi, mes voisins, je ne les connais pas. Et je ne peux même pas aller taper à la porte pour demander du sel. Pourtant, quand j'habitais à Nyangon, à gauche, à Koprim, c'est tous les voisins, tout le monde, nous étions des amis. On était chez la tante Koulibaly, aller manger. Dans l'après-midi, tu peux aller les voisins en face et tout. C'est quelque chose d'autre quand même, quoi. Il y a... Et voilà, moi, je comprends. Je crois la plupart des gens en Côte d'Ivoire se disent que, bon, voilà, être en Europe, c'est égal à avoir la belle vie. Et bon, voilà, moi je vis là-bas maintenant. Et mon parcours peut-être me permet aujourd'hui d'être un peu plus libre que la plupart des gens. Mais être en Europe n'est pas automatiquement égal à avoir la belle vie. Et je sais aussi pourquoi. Bon, je ne sais pas vraiment, mais avec les réalités de vie qui sont ici, en Côte d'Ivoire, peut-être en Afrique, je comprends pourquoi la plupart des gens visent à quitter l'Afrique pour aller en Europe. Parce que vivre en Côte d'Ivoire, vivre à Abidjan, si tu n'as pas les moyens, ta vie ne peut pas être facile, quoi. Mais être aussi en Europe, ça peut aussi être chaud, hein. Abidjan is so much alive, you know. If you're from Copenhagen and you've never seen something like that, you'll feel like it's chaos. People selling on every corner, food here, you know, kids running. There's just so much life. When I was younger, even though there were so many people living in the same house, I felt like the house we were living in was so big. And I feel like there could be much more people living in there. I didn't really have that big dream of being a professional boxer back then. Boxing helped me growing. Je trouve que la boxe est en tout cas un des moyens pour se faire une belle vie.
Peut-être que l'on ne va pas se faire des millions, mais la boxe quand même peut t'aider à aller loin, quoi. Loin et grandir comme personne. Ce qui se passe maintenant, quand je quitte le Danemark, quand je reviens en Côte d'Ivoire, je ressens la fierté que la famille, mes amis, le quartier, tout le monde remonte, l'encouragement que je reçois de tout le monde. Et ça me fait vraiment plaisir, quoi. Mais en même temps, pour moi, je vais vraiment leur montrer que bon, voilà, je ne suis pas différent que d'eux. Et je sens qu'il y a un côté de moi qui est fait pour être ici. Et il y a un autre côté qui est fait aussi pour être à Copenhague, en Europe.